15 personnes, j'y croyais pas du tout, et que mon téléphone ne sonnait pas beaucoup, quand aucun projecteur ne se braquait sur moi, quand je guettais le facteur au tout début du mois. On est en pleine tournée, on est au milieu à peu près de la tournée, suite à la sortie de mon troisième album qui s'appelle Ta place dans ce monde. Café était froid sur les aires d'autoroute, quand glissait sous mes doigts des kilomètres de doux. Là on arrive, c'est un concert très spécial pour moi, puisque à la maison, dans ma Creuse natale, et ça fait hyper longtemps en plus qu'on n'a pas joué ici. Il y a la famille, il y a des amis d'enfance, il y a vraiment beaucoup de gens que je connais dans la salle. Donc j'ai pas envie de les décevoir, j'ai envie d'être au top ce soir. Et j'ai hâte que ça commence là. Maintenant je commence un peu à tourner comme un lion en cage avant le concert. Mon ambition me disait ce sera dur, lui qui vend des chansons comme on vend des chaussures. Quand je marchais dans la rue, t'as des gaines de... Forcément de rejouer ici, dans ce centre culturel que je connais par cœur. Je suis venu en tant que spectateur, je suis venu en tant que première partie. Mon deuxième concert c'était ici. Donc voilà, il y a une symbolique très très forte de jouer dans cette salle. C'est un moment vraiment avec beaucoup d'émotion pour moi de venir là. Elle était là. Elle était déjà là, bien avant tout ça, elle était là. Ça prend du temps avant de se dire, tiens, il y a 5 ans j'en étais là, il y a 4 ans j'en étais là. Et à chaque fois, ouais, parfois je regarde dans le rétro et je me dis que c'est improbable tout ce qui m'arrive. On met du temps à chasser un peu parfois le syndrome de l'imposteur, de se dire pourquoi ça m'est arrivé à moi. Et puis ça aurait très bien pu arriver à beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de gens qui méritent la lumière dans ce métier-là, j'en connais plein. Et à la fois, je me dis, voilà, je me sens privilégié. Donc justement, je me dois aussi d'être à la hauteur des attentes des gens. Mais ça prend du temps avant de se dire qu'on l'a peut-être mérité. Qu'est-ce qu'il faut à mon amour pour s'être flopé dans le boule? Ça cache presque toujours un sacré monde de couilles. Ça pourrait être leur sœur ou leur fille sur cette route. Quand on insulte une femme, on les insulte tous. Bah, la vie de tournée, moi c'est vraiment ce que je préfère. On a l'impression d'être un peu hors du temps. Alors parfois c'est compliqué parce qu'on est complètement déconnecté de la vraie vie aussi en tournée. Mais moi j'adore cette ambiance quoi, où on a l'impression d'être un peu en sorte de grande colo de vacances, mais en même temps on travaille aussi. Avec nos bidons en fer blanc, on va chercher de l'air. Je suis très superstitieux, j'en ai plein de rituels. On joue pas mal de morceaux avec Martial. À deux guitares comme ça, on joue, on s'échauffe et on joue un peu souvent les mêmes morceaux justement par superstition. En tout cas, on finit toujours par un morceau qui s'appelle La Ruelle des Morts de TFN qu'on adore tous les deux. Le moment où tu vas monter sur scène, en tout cas peut-être la minute juste avant, elle est quand même difficile à décrire dans le sens où moi j'ai ressenti ça que à ce moment-là en fait. Ouais, il y a vraiment le cœur qui tape très fort, mais tu te demandes pourquoi tu t'infliges ça et en même temps c'est génial parce que ces émotions-là, il n'y a pas d'endroit où tu te sens plus vivant quoi. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais ni de loin ni de près un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, et trop loin de Paris, le cadet de la souci, on est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne les paumés, on est les oubliés, les oubliés, la campagne les paumés, et trop loin de Paris, le cadet. On est les oubliés. Merci infiniment, merci pour cette soirée. Et à très bientôt, j'espère, la souterraine. Merci encore.